Leclerc, ouais. Au pire c'est Dwight. Hey, au pire c'est. Mais c'est pas grave, t'inquiète, c'est pas grave, Magla. On a quand même gagné. Dwight, t'es une belle salope par contre. Mais qu'est-ce que comment oses-tu? Comment oses-tu? Locke, fais-moi confiance. Locke, fais-moi confiance. Locke, la vie de ma mère. La vie de ma mère. Non, tu sors du roleplay. Il y a un voyant. Les gars, Locke, écoute-moi. Dès le début, j'ai voulu te mettre mère et j'ai dit aux gens de te faire confiance quand c'était encore la nuit. C'est vrai. Merci. Sois pas bête, Locke, sois pas bête. Je te suis depuis le début. Voilà. Tu fais pas voir, gros. Comment oses-tu? Par contre, je m'en bats les couilles, j'ai envie, frérot. Comment oses-tu? Mais comment ça fait qu'il a envie? Comment as-tu osé? Comment as-tu osé? La passion de soi, frérot. Et Locke, pourquoi t'as fait ça? Il m'était mère et t'étais mort. Il m'a tué. Bah surtout quand tu te fais cibler alors que t'es innocent quoi. Ouais c'est clair, ça. Je sais pas qui te cible régulièrement, Magla. Pourquoi tu fais ça tout le temps, tu vois, enfin. Non mais là c'était louche, on est. Magla, on était en lock busy, excuse-moi. Une fois. On était en lock busy. On a tenté, la lock busy, c'était un beau moment. Bah ouais. C'était un joli move, c'était mignon en l'espace de deux minutes. Par contre, tu peux pas claquer ta potion de vie avant toi? Non mais il me mettait mort au premier round, Dwag. De quoi? Non mais même s'il mourait, il me mettait mère et t'avais perdu de toute façon dans tous les cas. Non, j'aurais pu jouer sur le fait qu'il doute et qu'il me mette peut-être mère. Mais bon, impossible. Sans ça, j'étais balls deep avec Squeezie, mais il aurait pu me bring comme moi, ça. Moi je pense que j'aurais peut-être pu l'avoir, mais genre à 20%, tu vois, t'avais quand même 80-20. On relance une game avec cette config là et après on va ajouter un nouveau rôle après. Putain, je pouvais faire une game ange, ça allait être incroyable. Putain. Je peux pas, il y a deux qui... Ange, c'est mort ici, c'est Mika qui a voté. Mais c'est pas moi. Pour Gotha, c'est toi, gros. Moi, j'ai tué Mec, avec le dictateur et tu l'as voté en grand méchant loup. Non, j'ai tué Kamel en grand méchant loup. Ah, on a fait l'inverse. Ah, pardon. T'es sûr? Ouais. Ok, pardon. 100%. Ange, avec cette config, c'est chaud parce que des fois, il y a trois morts la première nuit. Donc c'est. Et du coup, l'ange est souvent dans les trois morts de la première nuit. C'est complexe. Il se fait jamais buter. En vrai, ce qui serait bien, ça serait genre un ours. Ours, s'il y a un loup à sa gauche ou à sa droite, il crie le matin. Ah, c'est marrant. Ah, ce serait bien ça. Ce rôle, putain, il est bien. Va le coder. Hein. Et s'il n'y a pas de. Ouais, s'il n'y a pas écrit, pas. Mais quoi, paraît-il vrai? Ours, s'il y a un loup-garou à sa gauche ou à sa droite, il crie le matin. C'est ça. Ah mais non, mais il peut crier dans le chat. Il peut dire ouais, non, vous avez crié. Non, genre en gros, l'ours le matin, il y aurait écrit l'ours à crier. Ouais, il y aurait écrit bidule. Du coup, tout le monde sait qui est ours, du coup. Non, tu sais pas. Ah, donc on sait pas, ok. On sait juste qu'à côté du loup. Ouais, mais nous, en fait, le but c'est de trouver l'ours pour après. Ah, c'est pas grave, ça. Un message texte en mode, il y a un mec sur votre droite ou votre gauche, quoi. Mais du coup, je pense que même lui sait pas, je pense. Les gens peuvent se faire passer pour lui. Non, ouais, lui sait pas. En fait, c'est juste écrit, c'est juste qu'à côté de lui, à gauche ou à droite, il y a un loup, mais c'est pas. Ouais, c'est pas c'est lequel quoi. C'est à lui de deviner quoi. C'est au tour de la sorcière. Va-t-elle faire les bons choix? Mais ça peut être fort parce que si en gros il trouve le loup qui meurt et qu'après il recrie, bah. Je sais pas pourquoi je le sentais à mort que j'allais clamser là. Je le savais, frérot. J'étais sûr. J'ai même failli dire à la sorcière sauve-moi s'il te plaît tellement. C'est bizarre comme sixième sens. Bah après, si t'as été bouffé par le grand méchant loup, personne pouvait te sauver. Hein. Ah ouais. Ah, okay. T'es bien renseigné toi. Il y a eu qu'un mort donc en vrai. T'es bien renseigné toi, Magla. Bah, parce que je sais, puisque j'avais. Bon, de toute façon, pour me viser moi, c'est Akitio, je le sais. Il est jaloux parce qu'hier sur LoL, je l'ai surpris, j'étais agréablement fort. Donc c'est sûr que c'est lui. Faites-moi confiance. Alors, pardon, je suis mort, je vais aux toilettes, je suis mort. Ça allait, tu vois. Parce que je pourrais être mère, ça fait longtemps que j'ai pas été mère. Ça allait. Je crois qu'il y a déjà quelqu'un qui s'est présenté. Moi je propose Dogby, Vas-y, Dog, allons. Effectivement. J'ai envie que ça se passe extrêmement bien dans ce village. Bon, on va te laisser la parole dès le début et tu vas nous expliquer comment ça se passe dans le village. Bah écoutez, moi ça va être très simple. Attends d'avoir le costard. C'est vrai, pas encore, doucement. Bah oui.
t'as encore la plèbe là. Tu restes une petite crotte. Hein. Ça parle mal au futur maire. Que tout le monde vote pour moi. Attention à ceux qui n'ont pas voté. Hein. Oh là là, l'abstention. Il y en a qui ont pas voté, mais... Ou l'abstention. J'ai quoi dans les mains là? J'ai quoi dans les mains? T'as un serpent. Comment j'ai ça dans la main, les gars? J'ai un truc dans la main. Ouais, t'as un serpent. Quoi? Hein, attends. Ça, rien, j'ai un truc dans les mains, les gars. Je vois rien du tout. Si, si, t'as un. Ah, mais non, mais on a un truc dans la main gauche. De quoi? On l'a tous dans la main gauche. De quoi vous parlez? Non, il y a un bracelet. Ok, il y a un truc. Il y a un serpent de base, en fait. Il voit pas, il voit pas sa main gauche. Il... Je vois ma main gauche là, justement. Bon. Ah ouais? Mes chers compatriotes, c'est avec honneur que je vais diriger ce village. Ok, vas-y. Je suis très content de la situation, même si, attention, il faut qu'on tue un loup dans les 139 secondes qui viennent. En évitant l'ange. C'est la seule mission que j'ai pour vous. Donc si quelqu'un a peut-être senti des trucs ou pris des infos, il parle maintenant ou se taise à jamais, c'est le round le plus important, je vous le rappelle. J'ai senti plein de choses, moi. Alors, vas-y, fais-nous part de tes sensations. Akitio, 1000%. Très bonnes. Akitio, 1000%. Ça avait été confirmé par quelqu'un qui était mort en plus. Akitio, peut-être quelque chose à dire? Bah, je suis pas loup, mais allez-y. Fumez-le! Ouais, c'est quand même faible comme défense. Est-ce qu'on suit les dernières volontés de feu? Ou... Il a dit 1000%, genre à partir de là. Vous bah, vas-y. Je sais pas, Squeezie Locklear, c'est pas j'ai les deux. J'ai plus envie de voter pour toi maintenant. Mais ouais, c'est ça. C'est... Ah bah, c'est plus 1000%, c'est bon. C'est alors, il s'est passé quoi? Il s'est passé quoi? 2000%, parce qu'avant, quand tu faisais un pourcentage, avant Locke, quand tu faisais au-dessus de 100%, c'était sûr que c'était lui. Ouais, c'était du jour. C'est vrai, ouais. c'est vrai, je m'emporte. Du coup, je sais plus si on peut te faire confiance au niveau des pourcentages ou okay, pas. Ok, tu veux vraiment que je donne à tout le monde là un tour? Ouais, voilà. Ouais, Kameto, 60%, Dwagby, 0%, Magla, Vas-y, ouais. 70. J'ai du mal à descendre en 70 pour toi. Ouais, je sais. Akitio, je dirais 80. Gotaga, je dirais 95. Mikalo, ah ouais. Je dirais. 95 Ouais, 95, mec. Et Mikalo, je dirais 60. Je sais pas, t'as beaucoup été le gars. Vas-y, un Gogota. Hein. Du coup, dans sa logique, c'est Locke et Dwag. Attends, t'as donné ton pourcentage, Locke? C'est moi les seuls en dessous de... Moi, zéro. C'est les deux à 0%. Bah, il a dit les deux à 0%. Et nous tous, il nous a mis des pourcentages élevés. Ah, ouais, ça te plaît pas, toi, Mika? Je pense qu'il est assez con pour faire ça. Ça te plaît pas de voter Gotha, Mika? C'est ça, ça te dérange? Bah, parce que c'est plus logique. Pourquoi, toi, ça te plairait? Ça te plairait qu'avec Locke, vous... Bizarrement, tous les deux? Pas spécialement Gotha. Dans la main, en le garou? À qui tu penses que c'est qui, toi? J'ai absolument aucun soupçon pour le moment. Moi je pense que pareil, moi j'en ai aucune idée. Après Dwag, bah, les gars, Dwag il a fait un Gotha. Vite sur Gotha, je veux les gars, faites-moi confiance à qui? Bah allez-y, faites-lui confiance. Vas-y, dans le doute, j'ai envie de lui faire confiance. Non, tu me fumes après. J'ai pas envie. Bah c'est le capitaine. J'ai pas envie, Dwag. À qui 100%? Je fais quoi, Locklear? Dwag, c'est Dwag qui t'envie. Moi je suis Gotha, mais tu connais mieux Gotha que moi. Tu connais mieux de Gotha toi, mais moi je suis Gotha. Dwag, tu devais pas être de ce monde. Non, mais attendez, mais laissez-le porter ses couilles, c'est lui qui décide. Je vais pas être de ce monde. Butaki à qui? Non, c'est pas vrai, attends. Non, c'est pas vrai, c'est un brain. Dwag, tu m'as gardé? Dwag, tu m'as gardé? Non. Attends. Yes! Bon, dans tous les cas, vous étiez liés. Bah, du coup, t'as buté Aki. Aki Wellpaid. Aki Wellpaid. Mais du coup, t'as tué qui? Pourquoi Aki t'as pas ton tir de chasseur? Gotha, t'es dingue. Mais t'es débordé, toi. Mais je suis débordé. J'avais raison. Gotha, j'ai trouvé ton point faible. Et Locke, en fait, je savais que sur toi, ça pouvait pas marcher, Locke, parce que du coup, je me faisais passer pour toi, quoi. Enfin, genre. Mais 100%, j'aurais voté Gotha, moi. Putain, j'avais compris son jeu, là. Gotha, j'ai compris. J'ai voté Aki, gros. Ouais, je sais, mais je sais que mais pour moi, t'as décidé. T'as quand même visé le même, hein. T'as quand même visé le mauvais, comme d'hab. Gotha, j'ai enfin vu clair. J'ai remarqué, si je puis permettre une petite remarque pendant la nuit, même si je suis mort, hein, c'est pas du tout sur la game en cours, mais j'ai remarqué que Gotha, très souvent, on va dire 3 fois sur 5, quand il est loup-garou et que la situation stagne, il se met d'un coup à crier sur mais le gars qui a la décision et il lui dit vote bidule, vote bidule. Il était calme de ouf. Alors qu'il est tout le temps calme, sauf quand il est dans cette situation précise. Non, il le fait, c'est vrai, je suis totalement d'accord. Il l'a fait plein de fois. Ceux qui regardent les best-of, vous pouvez témoigner dans les chats. C'est culotté de me tuer alors que je. J'en ai l'air dans ce village. Dwag, vu que t'es mère. Est-ce que Magla, t'as une intuition ou pas? Zéro. Là, je suis perdu. Déjà que j'ai trouvé ton point faible, mon pote. Je m'en veux un peu.
Oui, oui, sachant que je l'avais. Mon point faible, Lucas, vas-y. Kameto parle très très peu. Donc, est-ce qu'on peut avoir une nouvelle mathématique ou on fait pas en deuxième? Mon point faible, là, je suis mort par un chasseur. Hein, donc, t'inquiète, j'étais tranquille. Là. On verra quand je crierai tout à l'heure, mais quand je serai l'ange. Moi, je crois pas, Locke. Sûrement que t'es pas un loup-garou, Doig. Il est beau. Doig a pas tué Haki, mais ça veut rien dire. Il me prédispose à la prochaine guerre. Tes mères, c'est dur. Non, non, Doigby aurait pu tuer Haki. Entre nous tous, qui voulait tuer Gotha? Bah, Doigby, il a choisi. Moi, je voulais voter Gotha, moi. Ouais, moi, ouais. Par rapport à vous, moi, je voulais absolument voter Gotha. Moi, j'avais aucun soupçon, j'ai voté personne. Ouais. Et Locke? Mais pour en revenir à ce qu'a dit Squeezie, moi je voulais vraiment voter Gotha à cause de ça. Moi c'est à cause de ça que j'étais en mode Gotha. Non mais ça se trouve que Doig, tu peux rien dire, Doig, tu t'es loupé. Mais après j'ai voté Haki. Attends, Gotha, non, truc en fait, attendez. L'effet, c'est que Doig a changé son vote à la dernière seconde pour Haki. Donc c'est. Moi je fais confiance à Doig. C'est indéfendable quoi. Non, tu peux pas, Magla. Il a tué Akitio. Je fais confiance. Non, tu peux pas, Magla. Tu ne peux pas, Magla. Il a tué Akitio. Il savait. Tu essayes de faire quoi? Tu essayes de mettre le truc sur Doig? Ça fait 50-50. Non, mais Magla, il a raison, Locke. Gotha était loup-garou. Kamel, quitte-moi mon instant. Fais confiance à Doig. Ok. Du coup, c'est Locke. Ah. Bah, du coup c'est Kameto. Ouais, du coup, c'est Kameto. C'est qui entre vous deux? Ah non. Les gars, est-ce qu'une fois je me suis trompé une fois sur Kameto? Bah oui. Jamais. Doig, let's go. Il y a un début à tout, justement, les probas. Doig, c'est le moment de faire la bonne décision. Non, mais Doig, t'as changé de voix quand j'aurais fait Gotha Kamel. Si je m'étais fait confiance, j'aurais fait Gotha Kamel, mais j'avoue que je me suis trompé tout à l'heure. Fais-toi confiance, frérot. Gotha, il m'a mangé. Mais là, en fait, Kamel, je pense qu'il est très discret. Moi, j'écoute Magla. Moi, je sais pas. Moi, j'écoute. Moi, je sais que Doig, ça va. Magla, elle a pas toutes les infos. Doig B. Tu as fait toutes les pires décisions ce soir. Mais à cause de toi, mais Cole, c'est pas à cause de moi. Je t'ai dit de buter Gotaga, t'as buté Akitio. Écoute, t'as dit de buter tes pires conditions. Kameto. Là, tu lui as dit de buter Akitio. Sorcière gardienne. Il est inépuisable. Ok, là, t'essayes de te racheter, grand méchant loup. Mais non, j'ai tout dit sur Gotaga à la fin. Quand Gotaga a fait genre qu'il était le garde, j'ai bien dit Gotaga. Tu lock et on a gagné. Magla, ton instinct. Moi, je regarde comme il crie, d'habitude il crie pas Magla, comme ça. Magla, vas-y, dis-leur, Magla, vas-y. Non, mais commencez pas à mettre ça sur. Non, mais les gars, j'ai hâte que vous me butiez, qu'on voit à quel point. Non, moi dans tous les cas, j'ai dit Gotha Kamel. C'est quoi ce jeu d'acteur par contre? Allez-y, butez-moi! Ouais, vas-y, Doig! Ah, mais rien de plus. On a gagné! Contrôleur, t'es un débile, Doig! Contrôleur! Yes! Merde! Je suis désolé, je savais pas du tout. Non, mais pareil, mais je m'en veux de ne pas m'être fait confiance. T'as dû te mettre dans tous tes états, quoi. Incroyable. Les amis, nouveau rôle. Et là, je vais vous dire, c'est d'une violence inouïe. Non, c'est pas la dernière. C'est pas la dernière game, mais c'est le dernier nouveau rôle de la soirée. Le rôle s'appelle l'assassin. C'est un rôle solitaire. C'est-à-dire que tu gagnes seul. Chaque nuit, tu peux choisir un joueur à éliminer et tu es immunisé contre l'attaque des loups-garous. Tu peux pas être buté la nuit. Tu peux crever que par les villages, en fait. Tu peux crever que par les votes de jour. Et t'enlèves quoi pour mettre lui? Alors, dans la game se trouveront le grand méchant loup, un chasseur, une sorcière, une voyante, un corbeau, un garde, deux loups-garous, un assassin. C'est-à-dire que tu peux te faire buter par le chasseur et la sorcière quand t'es l'assassin. Attention. Si les loups l'attaquent, ils reçoivent. Si les loups l'attaquent, ils reçoivent au début du. Si les loups attaquent l'assassin, j'entends. Ils reçoivent au début du jour un message leur indiquant que leur cible était immunisée. Ils sauront alors qui est l'assassin. Et ça servira à rien de l'attaquer. Voilà. Et ça servira à rien de l'attaquer à nouveau. Ils devront tout faire pour le faire mourir lors du vote du village. C'est trop bien. Entre l'ange, l'assassin et tout là. Il y a pas d'ange. Il y a pas d'ange. Ah ok. Mais un chasseur, une sorcière, un voyant, un corbeau, un garde, deux loups, un assassin. Il doit être tout seul à la fin. Voilà. Comment ça se fait? Comment il gagne? Il doit être seul à la fin. Il doit être seul à la fin. Bah, s'il n'y a que les loups-garous à lui, il a perdu. C'est ça qui est malin. C'est qu'il doit. Non, parce que les loups-garous, ils votent le jour aussi, frérot. Donc, s'il reste que des loups-garous. Il peut gagner avec les villageois.
Les loups-garous meurent et les assassins, l'assassin est encore en vie. En fait, ouais. Quand ouais. t'es assassin, Mika, en fait, ton but, en fait, les loups-garous pendant la journée, s'ils te trouvent, ils vont essayer de tout mettre les bottes contre toi. Du coup, ouais. toi, tu vas savoir à peu près qui sont les loups parce que du coup, ils se mettent contre toi. Exactement. Et ton but, en fait, c'est même pas de tuer les loups, c'est de tuer les villageois. Parce qu'eux, ils peuvent rien te faire, ouais. en fait. Eux peuvent rien te faire. Les loups, ils peuvent rien te faire, du coup. Juste pas que tu sois deux. Bien contre les loups à la fin, ouais. Voilà, sauf si les loups finissent, voilà, en majorité, exactement. Allez, on peut lancer une game, on va tester. Pour le village, okay, la priorité, c'est de tuer l'assassin. Et non, les loups-garous, pour le village. Non, c'est tuer les loups quand même. Bah, tuer les loups, ouais. En fait, l'assassin, c'est un peu. C'est avec nous ou c'est un peu comme un survivant? Non, c'est. Il est avec personne. C'est un solo aussi? Ouais. Yes. Ok. Ok, alors je rappelle que personne n'aura jamais gagné en ange encore, c'est jeudi soir. Ah, personne. J'aurais trop aimé le faire. Faut que ça, faut qu'il tombe un jour. Ouais. Tant personne veut me buter, mec, qu'est-ce que je te dis ? J'ai eu une chance, j'ai pas réussi à la saisir. Ah, oh, l'assassin là, en plus il est écrit en bleu à droite, il me fout la pression ce bâtard. C'est quoi le logo ? Je sais pas, il est juste en bleu à droite. Il y a pas eu de bug. Quizzy, t'es dans la merde, frérot. Pourquoi je suis dans la merde, frérot ? On sait que t'es l'assassin. Alors, t'as quand même, t'as pas un peu pris une respiration avant en mode ah non faut pas que ah, il a pris une respiration. Regarde commenter. Vas-y, celui qui m'accuse le plus il va prendre un tarif mon gars là dans sa gueule. Faites pas les ouf. Moi je t'aime Luc. Il y a intérêt à ce que tu m'aimes mon pote parce que putain. Oh c'est au tour de l'assassin. Attention hein, contrôle tes pulsions contre moi l'assassin. Attends ça. Attends, j'ai pas entendu, la sorcière elle peut soigner ce que tue l'assassin? Je sais pas. Ah ouais, c'est une bonne question en vrai. Ah, c'est une bonne question ça. Je pense pas parce qu'elle pouvait pas, soigner. Non, elle peut pas. L'assassin, quand il tue quelqu'un, il tue quelqu'un. Logique. Et qui va marquer à jamais hein, l'histoire de ces jeudis soirs en gagnant la première game en assassin? Avec l'assassine. C'est une bonne question hein, que le chat se pose. C'est une très très bonne question. Maintenant, bon, faut voir. C'est vraiment fort. Elle assassine. Mais c'est en vrai, c'est plus dur qu'un survivant, du coup, non? Non. En fait, vu que tu tues quelqu'un. Oh! Ah, bon, bah, Alors, qui peut tuer Gotha? Pourquoi vous voulez tuer Gotha? Hein? Quoi? C'est lequel de vous deux qui a voulu le tuer? Tiens. Moi, j'ai jamais voulu tuer personne déjà. Mettez-moi. Avec Kamel, on meurt souvent ensemble, mon bro. C'est bizarre, non, mec. Ouais. Je suis désolé, mec, mais t'as grillé le fait que t'es un assassin. Je suis désolé, je pense que. Après, est-ce que c'est intéressant de tuer l'assassin maintenant? On a Lock, pas peut-être. Lock, il y a 5 games. Attention, les gars, c'est le maire, hein. Votez pour moi, je veux être maire. Il y a 5 games, j'étais loup-garou avec Mika et on a buté Gotha et Kamel en même temps. Gotha avait survécu parce qu'il avait été gardé, je crois. Je ne referai plus cette erreur. Là, les deux qui ont été butés, c'est pas moi. C'est trop vieux pour que ce soit moi, je t'assure, mec. Je ne referai pas cette erreur. Si j'étais assassin, donc, j'attendrai. Assassin, un petit Mika assassin qui a voulu calmer. Oh merde! On sait que c'est pas lui. Non, je venais de faire tout un speech. Excusez, qui est-ce que tu aurais tué en tant que chasseur? On peut cliquer si tu veux. Ouais, mais on l'aurait en jamais vrai. Voté en vrai. On l'aurait non, jamais on voté. Va, on ouais, va reboot, bah on va reboot, on va reboot, on va reboot. Faut voir Marie-Mélie parce que là, la game, elle est morte là, en fait. Ouais. Bon, j'étais loin avec Locke, j'étais content. Vu qu'on a même pas. Non, pourquoi reset? J'étais assassin, allez, on fait un peu. On sait. Mais là, oui, ça sert à rien avec le crash. Désolé, Mika, désolé, frérot. Je suis assassin, je m'en rappellerai. Pareil, Mika. Coco, tu sais que je suis mute et j'ai dit, je suis désolé mon copain Corentin, mais je suis obligé d'éliminer les plus forts. Ah, gros lâche. C'est sûr. Magla, faut que tu rejoignes et on peut relancer le game. Ouais, j'ai crash. Désolé les gars. Désolé, Magla et moi on crash. Putain, elle était bien cette game. Elle était bien, je suis deg. Putain, j'aurais jamais suspecté le gars. Qui m'a voté. J'ai un bon rôle. Ah, il y a une semaine, mec, t'as gagné. Tu m'avais méga brain. On t'a voté, Kermettant, on t'a voté. On s'est fait unanime. Ouais, mais. Tu vois, j'ai fait beaucoup de games où j'ai pris des risques, mec. C'est là, pour une fois que j'avais un bon rôle, j'étais en mode, bon, désolé, mais là, j'ai un bon rôle, mec. On t'a voté. Personne a des votes qui flottent au-dessus de quelqu'un, là, c'est bon? Tout le monde est bon? Toi, t'as 3 votes. Moi, je vois des votes. Bah, Déco Reco, tout le monde est vote. Ah ouais, Lucas, moi, j'étais corbeau, il y avait 2 votes sur toi, mec. Déco Reco, ceux qu'on est vote, Déco Reco. Déco Reco, ceux qui voient des votes, vous, Déco Reco, pas ceux qu'on des votes au-dessus d'elle. C'est bon de mon côté. Ah, moi je vois des votes. Désolé, en plus, Mika. J'étais trop content, Coco, ouais, parce que j'ai Kamel et.
Ah, en plus, ils ont tué Karen, elle était trop bien, mec. J'étais en mode, oh là là. J'étais en mode, j'aurais bien aimé, mais avoir un bon rôle cette fois-ci. Moi, j'étais sûr que t'étais assassin. On va lancer une game, tu vas être villageois et il y aura zéro bug, frérot. T'inquiète. Je suis tellement heureux que t'es crash. Moi, je suis tellement heureux aussi, en vrai. Elle. Assassine. J'en ai marre. Allez vous faire foutre. Ça va, Mika, le corbeau? Ça va, frérot? Corbeau! Il en faut. Je suis pas corbeau. Corbeau! Ça va, Mika, le garde? Oh, ça se protège vite, monsieur. Non, ça se protège vite, monsieur. Et Doigui qui parle trop, qui est le garou assassin, sachez-le. Non, 0-0-0. Par contre, la voyante, vu que j'étais voyante au round d'avant, je me suis dit, faut utiliser les potions assez vite quand même. T'es cramé, tu dérives ensuite, donc technique d'urgence de droite, c'est dérivé tout de suite sur un autre sujet. En fait, je parle d'un truc hors sujet exprès parce que j'ai pas envie de parler de la game en cours et dans la nuit. Il y a quelqu'un qui respecte les règles en fait. Locke, t'en penses quoi? Moi, je pense que ouais, c'est possible que. Par contre, Squeezie Nougat, vu son comportement. Et technique numéro 3, mettre la faute sur quelqu'un d'autre. Allez, t'es mort. T'es mort, t'as enchaîné l'ordre logique de tes petites techniques de merde. T'es mort. Vous êtes des... Et voilà, quatrième technique. On dit une phrase avec le sourire aux lèvres et on fait en sorte que ça s'entende pour marquer un faux soulagement. Et voilà, la cinquième technique, c'est d'AFK. Et la sixième technique, normalement, c'est il va dire re dans les 4 prochaines secondes. Écoutez bien, vous allez voir. Moi, je vous souhaite une bonne partie parce qu'à mon avis, quelqu'un. Et re, les gars, c'est pas ça. Et voilà, au niveau de la troisième seconde. Votez pas pour moi. Non mais voilà, Osni, achetez-vous une connexion. Putain, mais les gars, what the fuck. Je vais pas juste mais non. Mec, regarde-nous. Regarde-nous. Toi, t'étais assassin. Je suis dead. Je vois plus personne. Moi, c'est toujours la nuit, moi, si jamais. Ouais, Louito, ça a planté. Est-ce que c'est lié à l'assassin ou est-ce que c'est juste on a pas de chance? C'est à full bug là. Ah là, les gars, je prends l'outil 2Z là si jamais là c'est un peu. Ouais, moi, c'est la nuit. Moi, il y a nocturne là qui est en train de me tuer. Ah, c'est pas de chance. Allez, au revoir, Coco. Non, c'est moi qui quittais volontairement là pour le coup. Déconnectez, reconnectez-vous, les gars. Je suis désolé de ces petits problèmes techniques. On a pas de chance là sur cette fin de. Allez, on a gagné. Bien joué. C'était qui l'assassin? J'étais deux games d'affilée corbeau, c'était pas fou. J'étais deux games d'affilée chasseur, c'était sympa. Non, chasseur c'est mieux que corbeau, mec. Hein. Ah bah, corbeau, ça, c'est tu mets de vote. Putain, j'avais spoté d'un loup, je suis deg. Chasseur, mec, même s'il vote contre toi, t'es en mode ok, j'ai du pouvoir pour tuer un loup. Et il nous manque un joueur hein, qui s'appelle Kamel, et on est bon. Ouais, j'arrive. Ah, attendez, et du coup, j'étais pas loup, hein, encore à droite. T'étais quoi? J'étais garde. Ah putain. Ouais, et je t'ai balancé une bombe atomique dans la nuit, désolé. Bah super, merci. Toi, je suis désolé, je t'ai mis des votes aussi. Oh putain. Oh, il a pris sa part. Vas-y, je parle plus. Bon, qui va désolé, pouvoir... Désolé, mais on t'a voté aussi. Qui va gagner, hein, qui va gagner pour le... Qui va marquer l'histoire à jamais hein, en tant qu'assassin? L'assassine. En vrai, je pense que c'est super dur. Ok, là, Squeezie a arrêté de parler, c'est lui. Allez, c'est bon. Remake comme par hasard, 3 fois fort, assassin. Ok, cette fois c'est bon, je reste en vie. Pouah. Protège-moi le garde s'il te plaît parce que je vais me faire niquer par les loups pour rien. Gotaga et Kameto sont morts. Ah non, pas te faire niquer par les loups, t'es assassin. Ah ouais. Réfléchis. Pardon si ça fait un bruit chelou, j'ai Ménia qui bouffe, qui fait le micro à côté. Ah j'entends. Elle souffle. Elle est sur mes jambes. Mais je te connais. Je viens de dire qu'elle est vraiment belle. Et je sais que tu vas mourir. Alors même si j'ai un loup sur les jambes, c'est pas moi, hein, vraiment. Par contre, si t'as du flair à ce point-là, le clear, t'es un dieu, gros, hein, vraiment. Ah non, mais mec, 100%, 100%. Mais comment? Juste parce qu'il a... remarqué, dès qu'il oui. avait le rôle, il a arrêté de parler. Non, sa phrase s'est coupée, mais ça pouvait être assassin aussi, tu vois. Ah, mais c'est assassin, 100%. Il a vu que c'était assassin, il a fait « Ah putain !» Alors qu'il était en train de mettre la pression, c'est pour son best-of. Voilà. « Qui va être l'assassin mais la légende ?» Mais mec, alors... Quelle erreur. Allez, viens, justement, j'aurais viens, jamais graille, dit ça si c'était moi, j'aurais fait profil viens, bas. Viens, j'aurais fait profil bas. Moi, je te t'es vraiment un pauvre type. Non. Ça rend fou le loup-garou. Hein. Qui va être le meilleur joueur de loup-garou de surtout l'histoire le qui rend fou tout le monde. Moi, je veux rejouer l'ange, la tête d'Oham. L'ange, ça passe crème. Je trouve que c'est plus facile ange qu'assassin en vrai. Oui, largement. Ouais, mais je pense que c'est plus intéressant de jouer l'assassin que l'ange. Après, ange, t'as deux chances de gagner quoi. Parce qu'en vrai, l'ange, tu joues juste le premier rôle, après tu joues ouais, c'est la plus grande ouais, toute la game quoi. Ouais, c'est vrai, c'est plus strat. C'est plus strat. Il y a plus de mérite. Par contre, on n'en parle pas assez du corbeau. Hein. Allez, bien joué. Belle
Bien joué, bien joué, merci. Il est trop mignon. C'est l'assassin du fait que Yécris s'est fait poignarder ou pas? Ouais, ou le Lokmer. Ou ça peut être. Allez, mettez Lokmer, mettez Lokmer. Ah, il essaie de se racheter pour pas que je le pend. Non, mais t'inquiète, le clear, t'as un flair, gros. T'as un flair. Bon, moi, frérot, vas-y. Votez Squeezie, merci, s'il vous plaît. On tue l'assassin? Je vous le demande, mettez Squeezie. Ouais, attends. D'abord, mets-moi mère et ensuite. Je peux vraiment être utile. D'une manière ou d'une autre, à ces réunions. Je dévot pas si je dis ça. Si c'est dévot de dire ça. Non, mais en gros, t'es pas dévot. C'est pas dévot. T'es utile quand tu poignardes les gens la nuit, t'as vu? T'as dit quoi? Qui peut être utile? Moi, pour moi, t'en as assez fait. Bah, c'est vrai, Corbeau, mais toi, c'est pas moi. Hey, toi, l'assassin moisi là qui pue la merde, je vais te mettre. C'est toi! On t'a cramé, gros. Cherche pas. Pour de vrai, Dwagby, t'es réellement suspect. Vraiment. Je dis pas ça parce que je m'aguge, je dis ça parce que t'en fais des caisses, frérot. Dwag est l'assassin. Non, ouais. on est d'accord. Coco, on est d'accord ou pas? Allez, ça dégage. Attends, Locklear, t'es vraiment en train de faire ça là? Bah, j'ai l'impression que oui. Vas-y, défends-toi, toi. Dis-nous, défends-toi, frérot. Dis-nous un truc. C'est très étrange que Locklear commence à voter pour moi, surtout qu'il n'y a pas le rôle de bouffon disponible. Donc, je me demande comment ça se fait qu'il agit comme un bouffon. Wow, punchline. Incroyable. Attends, mais là, c'est du sel que j'entends ou pas là? C'est du sel parce que t'étais assassin. On avait une trappe. Non, mais il n'y a aucune défense là, toi. Tu te défends pas là. Tu fais quoi, toi? Remballe tes bottes, type là. Il a des pressions. Locklear, j'aimerais bien qu'on reste sur cette stratégie, s'il te plaît. Celle de voter contre toi. Je pense force. Pourquoi vous êtes en team? Moi, je vous dis, j'ai le droit de faire des stats, monsieur le maire, ou j'ai pas le droit? Bien sûr, allez-y. Alors, vous savez que j'aime les mathématiques. Je pense que Dwag a un rôle à responsabilité, à savoir soit loup-garou, soit assassin. Je pencherai un peu plus sur assassin parce que, comme tu m'as accusé, il a baissé sa garde, il s'est tout excité tout seul d'un coup. C'est vrai. Vraiment. Alors, c'est vrai. Donc, je pense qu'il a un rôle, sensible. Je sais pas lequel des deux. Voilà. Vu ton comportement, il est fort possible que je sois potentiellement l'assassin plus que le loup-garou. Tu sais pourquoi? Parce que tu agis comme un loup-garou. Donc, bon. Allez, t'es éclaté. Okay, t'es éclaté. Dans tous les cas, regardez, je vous propose un truc. Dwag, tu meurs ce soir. Squeezie, tu prends une bombe si Dwag il est pas bien. Ok. Ce soir. C'est pas mal. Ok, très bien. C'est pas mal ça. Très bien. Monsieur le maire, je porte les responsabilités. Bah, que dalle, frérot, la gamme, elle est louche. Je retiendrai que t'es un traître, Locklear, et que t'as changé ton plan alors que je t'ai suivi. Ok, Dwag, écoute-moi. T'es un traître, gros, t'es un traître. Si t'es un méchant, je suis navré. Mais vu que tu es un méchant, je ne peux pas être navré. T'es sûr? Et donc si je suis pas méchant, tu seras navré? Dwag, ta défense, oui, elle est nulle. T'es assassin. Mais pas t'es mort. T'es mais tu peux mort. Pas être grave en fait, par un loup-garou. Mais bien sûr que si. Tu t'es pas défendu une fois. Le plan ta initial défense. Était le bon, monde de merde. Quoi? Bon bah je prends une bombe, vas-y, je prends une bombe. J'assume la bombe. J'assume la bombe. Par contre, Locke, tu te trompes vraiment. J'assume, mais tu te trompes. Donc vraiment là, putain, y'a un mec qui va marquer l'histoire, ça va me casser les couilles. Putain, les gars, c'est la nuit. Ça va me casser les couilles, putain. Qui j'ai pas envie de. Si jamais, rappelez-vous qu'il y avait deux votes sur lui aussi. Oh, ça change rien. Enlevez la bombe. Non, ça me change rien. Le corbeau, il vote au hasard en fait. Ouais, donc c'est Gotha. Bombe Gotha. Bombe Gotha. C'est la nuit, wesh. C'est la nuit. Je suis navré, Dwag. Ouais, vite fait, hein, on dirait pas. Bah, mec, des fois, faut que t'apprennes à me convaincre aussi. Mais il y avait un plan, gros. Ça y est, c'était établi, c'était clean. On partait là-dessus, frère. J'avais pas besoin de me dévot, c'était clean. Mais Dwag, je suis désolé, gros, mais j'ai pas compris. Putain, mais t'avais un air tellement coupable. Et en plus, tu t'es même pas défendu. Toi, j'imagine même pas la tête que tu dois tirer là si t'es assassin en mode. Dwag, j'ai pas compris, hein, Dwag. Désolé. Je suis pas du tout assez bon au loup-garou pour avoir un rôle sensible et garder mon sang-froid dans cette situation. Et tu le sais. Tu le sais très bien, frérot. Je suis assez bon, par contre. C'est ce que t'aurais dit, justement, en plus, en phase 2. Alors là, Lugaro. C'est pas mieux, en fait. Là, ça peut être historique. Alors, mon chien, ça va? Je mets qui mère? Est-ce que je peux être mère, s'il te plaît, mec? Est-ce que je peux être mère, mec? Mais non, putain, mec. Je lui donne une chance de gagner en tant qu'assassin. Mais là, il a pas de chance parce qu'il a 3 votes sur la gueule et il est mort. Le corbeau s'est acharné sur lui. Bien joué, le corbeau, putain. Le corbeau, Clary!
Le corbeau a. Mais moi je pense que Kamel c'est pas. Avant de mourir, le corbeau qui a été un génie. Je suis pas l'assassin et l'assassin va mourir juste après. Il est là devant moi. Hein, Mikalo, Magla, Kameto face au chasseur. Kameto, Kameto. Kameto, tu retiens. Retiens bien, Kameto, que je t'ai fait confiance. Retiens bien. Retiens bien, ça veut dire qu'on est potes maintenant. Si t'es pas l'assassin, Kamel, c'est Magla. Mais non, t'es mort en fait. Non, je sais que je suis mort, j'ai pas le choix. Enlève ton bot alors, Mika. Enlève ton bot. Ça peut être historique. Ça peut être historique. Ça peut être historique. Oh, Kameto. Kameto qui choisit. Kameto qui choisit. Oh, entre toi et Mika. Kamel, moi je sais que c'est pas toi. C'est pas l'assassin, c'est Magla. Moi je sais que c'est pas toi. C'est pour ça que j'ai voté. Elle a aucun, aucun truc pour savoir que c'est toi. Si, si, bah bien sûr que si, patate. Ça peut être historique. Patate. J'ai voté pour Mika direct. Boum, let's go. Kamel, je l'ai sauvé tout. Kamel, tu retiens, Kamel. Je te dis ce que j'ai retenu aussi. Mais c'est passé pour toi, Magla. Quand Gotha a dit, ouais, oubliez pas que le corbeau. Ouah, mec, assassin, ça met la pression. Non, mais Kamel, je suis désolé, moi j'hésitais entre toi et Mika et à la fin j'ai fait, non, vas-y, Kamel, il peut pas être deux fois d'affilée assassin, genre. Eh, Squeezie, tu m'as déçu, hein. Si jamais un retour. Ah, mais non, mais fallait juste pas que Lucas meure en fait. Désolé, Mika. Désolé, Mika. Dans ton j'étais en train de tout faire pour tuer tous autour de toi. Dans attends, tu m'as mis une grenade. J'étais entre toi et Kamel. Qui quoi? Non, moi j'ai mis une grenade à Squeezie. J'ai tué Squeezie. T'inquiète. Qui m'a brûlé? Toi, tu étais les loups-garous. On peut relancer une game, Louitos. C'est le rôle assassin. Il est incroyable ce rôle. Ouais. Tu sais que c'est gardé la nuit. Trop bien d'être assassin. Gardé la nuit. Oh. T'es un amour. Mec, tu m'as dit ouais, si j'avais un rôle de sens. Pas chez l'assassin. T'inquiète frérot, je te rendrai l'appareil. T'inquiète, je vais te le rendre tôt ou tard. Tu vas me graisser ce soir, ouais. Non, je vais te rendre l'appareil tôt ou tard. Tôt ou tard, je te rends l'appareil. Non, mais c'est non, bon. Mais t'es sérieux, toi? T'es sérieux, Kamel a tombé dedans? T'as vraiment cru que j'allais faire une erreur comme ça? Non, mais je vous jure qu'ils ont oublié de te mute. Non, impossible. Je fais pas une dogby, mec. Tombe pas là-dedans. Oh ouais, wow. Non, je vous jure que ça ressemble grave à quelqu'un qui a oublié de te mute. Oui, Kamel, tu veux retourner sur moi puisque t'es l'assassin, c'est ça? Oui. Tu m'en. Oh quoi? Non, tu penses. Kamel, tu t'en penses quoi vraiment là? Frère, la réaction qu'il a eue, c'est pas de la. Y'a aucun acting. Mais si. Il a dit oh putain je suis assassin mais genre d'une manière en mode regardez on est trop bien. Ouais ça faisait vachement naturel hein. C'était grave. Et vous avez ton. Vous avez ton panneau de Kamel. Là t'es en train de dire que ça fait trois fois d'affilée que c'est l'assassin. Trois fois d'affilée. Si tu meurs c'est parce que Mikael aura le seul. Que c'est Kamel l'assassin. Trois fois d'affilée mec c'est impossible. Comment ça c'est moi qui. Si j'ai été loup-garou trois fois dessus. Si c'est carrément pas. Mec loup-garou il y en a deux, il y a deux fois de chance. T'as deux chances. Non mais t'as qu'une chance. C'est possible, je te jure, je te base pas sur le stade. Il y a plein de fois que j'étais sorti en non-stop et tout. Lock, j'ai été corbeau de 3 games d'affilée quand on a non, fait mais un mec. C'est ça, hein, c'est possible. Moi j'ai été sorti. Vous voulez fumer Eka? Oui ou non? Attends le jour quand même. Non, fume Kamel. C'est lui l'assassin, c'est sûr. Il meurt pour le 5. Ah. Ok. Bonne game les gars, bonne game. Je peux juste dire attends, que comment ça je suis mort pendant la nuit? Mais putain de sorcière de merde. J'ai vu la sorcière, voilà, j'avais raison. J'avais t'es raison, Calo était t'es vraiment un rageux toi, putain de merde. Oui, t'as dit l'assassin enculé, t'as jamais dit loup-garou. Mais putain. Il a toujours été sûr, il était l'assassin, loup-garou, ça tue la nuit, c'est la réponse pour moi, je fais pas de faire avec toi, Kamel. Attends, est-ce que je pourrais pas l'air après avoir sauvé mais du coup, Kamel, on en revient au fait que c'était de l'acting, donc on s'est quand même fait très peur. Hein. Ouais, non, mais bien sûr, mais on a réussi quand même ce coup. Ouais, ouais, tranquille, beau move. Ouais, de ouf, fort. Du coup, votez Kamel pour le sauver. Il a quand même le sauver le village, les gars, soyez pas cons. Fort. Et je peux dire que Dwagby est quelqu'un de bien. Yo, tu votes. J'espère que vous avez écouté. Hein. Mais arrête, toi. Ah ça, c'est l'étape. Ça, c'est quelle étape de ta stratégie, ça? Mais arrête. Chaque fois que tu t'attaches, toi. Mais arrête. L'acting numéro 8. Bon, c'est du dernier recours. Seul élément qu'on ait actuellement, mon cher maire, je reviens avec les informations. Toi, est-ce que t'es assassin? Non. Ouais. Oula. Non, je suis le garou. Le mec, il prend trop la pression. Ok. Okay. N'oublions pas que Locklear est mort justement par l'assassin. Oui, qu'est-ce qu'il y a, monsieur le maire? Vous avez été coupé la parole par un. J'ai pas pu vous entendre. Locklear s'est fait poignarder. Ah, oui, qu'est-ce qu'il y a? Excusez-moi, vous avez encore été coupé. J'ai dit, tu penses que.
C'est Squeezie ou Magla. Je pense que Dwag, il est surexcité dans cette game et qu'il y a un truc qui est chelou. On n'était pas potes avant Dwag. En fait, tu peux être surexcité. Ok, Squeezie, c'est ciao. Voilà. Non. Kameto. J'ai peur de rien. Écoute ce qu'on dit, Squeezie. T'écoutes pas, putain. Validé par la street. Ok, Kameto. Kameto. Là, c'est une réelle erreur. Il y a un malentendu général là dans ce village ce matin. Ok. Je m'excuse. Il est vrai, j'ai peut-être tendance à beaucoup me précipiter sur Dwagby, mais à chaque fois je me trompe, donc à chaque fois j'ai envie de plus me tromper pour regagner votre confiance. Je m'excuse, c'était immature. Bon, au moins il fait un pas vers nous. C'est ok. C'est quelque chose. Attention, ça veut pas dire que je l'innocente totalement, mais en tout cas je ne l'attaque plus. Pas sur Runzi en tout cas. Non, juste ce matin-là. Il est vrai, je me suis précipité. Le problème c'est que Gota et Aki, c'est des tombes. Ouais. Ouais. Il parle pas du tout. Ouais, après, Gota, j'ai peur. On va dire que j'ai des rôles depuis. Je te cache pas, j'aimerais bien être assassin. Okay. Du coup, t'es le héros, tu préférerais être assassin. Mais j'ai pas d'infos. Bah, tu penses ? Ça veut pas dire que tu l'es pas. Hein. Est-ce que par exemple, t'en as marre d'être loup-garou, Gota, par exemple ? Non, en vrai, là, ça fait un moment que j'ai pas été loup-garou et pour le coup, j'aimerais bien l'être aussi. Okay. D'accord. Mais je ne suis pas. Et à qui mais... Bah, personnellement, j'ai pas grand chose à dire là tout de suite, j'observe. Toi, à chaque fois, c'est ça. Toi, j'en ai marre. Toi, j'en ai marre. Non, mais à un moment, faut se mouiller. Faut dire un truc. Non, mais c'est vrai. Je passe ma petite game. Mouille-toi. Vas-y, maintenant. On t'écoute. Vas-y. Ok, j'ai des soupçons uniquement sur toi. Pas parce que tu m'as voté là, mais par rapport à ce que t'as dit juste avant. Je sais que Dwagby, il est safe. Et voilà. C'est tout ce que je sais pour le moment. Ok, je retire mon vote. En fait, il y a deux personnes qui ne sentent Dwagby. Donc, il y en a un des deux qui ment, non ? Kamel. Vraiment, frérot. Écoute, vraiment. Tu fais vraiment. Vraiment une erreur, mais vraiment une erreur très spécifique qui est peut-être jamais arrivée depuis qu'on joue ensemble. Ah, parce qu'il n'y a pas d'assassin et que l'assassin n'a jamais été voté, c'est pour ça que c'est jamais arrivé. Ça aurait pu, mais non, c'est une vraie erreur. Je suis vraiment quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Je vous assure. Mais d'un autre côté, je comprends. Non, pas du tout. Les faux pas sont avec nous, sont votre cousin. Non, justement, elles sont parfaitement contre vous. Qu'est-ce que tu racontes, frérot ? Non, bah dites-toi. Imaginons qu'Ameto, Akito et moi, on est quasiment sûr d'être safe. Bon, vas-y, faites ce que vous voulez. Hasta la vista, ça me rend triste. Il y a deux mecs sur trois qu'il faut buter. Donc il faudrait vraiment qu'on soit unlucky. Putain, on est des gros. Ok, Akito. Alors, si jamais c'est Aki qui a voté au dernier moment pour se faire. C'est Aki qui a changé son vote. Aki, on t'a cramé, gros. À qui, petite salope, bah. Les vivants vont s'occuper de toi. Je t'ai cru. Hein. Mais moi, ça, je suis désolé. T'inquiète, c'est pas grave. Il fallait qu'il y ait un mort dans tous les cas pour que ça débloque. Oh non, ça me fait mal. On l'a perdu. Il reste la sas. Non, la sorcière peut bien jouer et le chasseur aussi peut bien jouer. Espérons. Après, on a beaucoup d'infos. Au moins, elle balance ce qu'il faut là maintenant. Maintenant, elle a tué la sorcière. Voilà, c'est bien que ça réfléchisse un petit peu, c'est bien. La sorcière a tout balancé depuis le début. Putain. Moi, je veux savoir qui c'est qui m'a poignardé, les gars. Moi, je veux savoir qui c'est qui m'a poignardé. Non, c'est pas la merde. Ne graille pas, hein. Oh là, la sorcière a tout balancé. Oh putain. Squeezie, tu t'es gardé toi-même. Squeezie. Ça parle beaucoup la nuit, hein. C'est vrai, T'as dit quoi, Locke ? Comment est-ce que t'as osé te garder la première nuit ? Il fait tout le temps ça. Bah, je fais ça, je suis un grosse pute égoïste. Mais vrai. Pourquoi tu m'as pas gardé moi ? Bah, je sais pas, je savais pas ce que t'étais, Flo. Bah, je voulais te garder la deuxième nuit pour être honnête et je voulais faire en sorte que tu sois mère, mais tout a raté, je suis désolé. Ah. Oh, tiens. Bah, donc, Tiens. Alors, est-ce que l'assassin a pas essayé ? Alors, est-ce que les loups-garous. Est-ce que les loups-garous ont essayé de buter l'assassin ? Tu crois que le loup-garou a essayé de buter l'assassin ? J'ai l'impression. Du coup, la sorcière a gardé sa potion du coup. Ah non frère, elle a claqué. J'ai dû claquer les choses là. Ouais mais du coup. Eh, hey, tu dévots pas à toi, petite salope. Non mais lui on sait qu'il est. Ils se sont cramés depuis tout à l'heure mais bon. Du coup je suis en vie. Ce qui fait que on a encore la majorité avec nous, Kamel. Me dis pas que t'es l'assassin et que tu me la mets à l'envers depuis le début. Je t'en supplie. Non. Je peux t'assurer. Attends, pause. Je peux t'assurer. Attends, pause. Dwag, t'étais mort cette nuit ? Et t'as pu te sauver ? Ouais. Mais qui a sauvé ? Du coup, c'est le loup qui t'a visé du coup. Ah, ça après, c'est à vous de faire vos calculs. Mais ouais. Moi, je pense que. Ça peut être que le loup. Non, moi, tu peux pas sauver le. Ouais, tu peux pas. Ah, bah alors, ouais. Mais non, le loup a visé l'assassin et l'assassin a visé Dwag. Non. Ah ouais. Moi, mais attends, mais l'assassin. Mais t'as dit qu'on pouvait. Mais oui, mais en fait. La... Non, t'as ah ouais, dit si le loup il fait rien. Pas, okay, ouais. Ouais, non, mais si le loup. Oui, non, mais si c'est le sûr loup, à 100%. Il peut pas tuer. Si le loup il peut pas tuer, je crois que la sorcière elle peut sauver. Mais le loup il peut voter. Ah non, attendez, je sais.
les gars, juste une question. J'ai la théorie. Les gars, écoutez, le loup et l'assassin, les deux ont attaqué Dwag. Et du coup, la sorcière a pu le sauver parce qu'elle peut sauver la cible du loup. C'est ça, ouais. Oh, j'ai eu chaud. C'est ça. Est-ce que quelqu'un peut m'écouter, s'il vous plaît? J'aurais vu ça. À qui tu voulais voter qui pour le tour d'avant dans les villageois? Squeezie. J'ai voté Squeezie. Et alors que c'était... Qu'est-ce qui nous fait dire que c'est pas toi, Lou? Parce que moi, je me dis que c'est peut-être bizarre, non? Moi, je pense que c'est bizarre. Mais c'est vrai que c'était entre... T'es entre Dwag et toi, si jamais, et Dwag est safe. Ça me rassurerait que Akitio soit l'assassin et pas le gars. Le vote, il y avait un vote sur... Moi, j'ai pas voté. Le vote, il y avait un vote sur Dwag, un vote sur Aki et un vote sur Lucas. Et t'as mis au dernier moment un vote sur Lucas. T'as changé ton vote. Alors que le maire aurait pu départager, t'as stressé et t'as mis un vote au dernier moment. J'avais le choix de départager et moi, j'aurais pas tué ni Squeezie ni Dwag. Donc je t'aurais tué toi vu que... Non, mais c'est le cas, mais non, vote à qui pour là. Mais il faut juste qu'il soit assassin et pas loup-garou. Ta défense, elle était trop vague. Après, ça se trouve, Gotha, il est en train de nous la mettre à l'envers avec Magla. Mais je mets rien du tout à l'envers. Non, je pense pas, je pense pas. Non, mais forcément, forcément. C'est soit toi, soit Magla, il y a quelqu'un qui est en train de nous la mettre à l'envers. Il y en a un. Tu peux être assassin aussi. Mais c'est pas très grave. Tu peux clairement être assassin aussi. À qui c'est oui, safe, fais-le savoir. J'adore quand il est maire, Kamel. Je pourrais pas te dire grand-chose. Ok. Malheureusement. Mais un des deux vous la met à l'envers. Je pense que c'est plus la personne à ma gauche. Mais à qui toi, t'es un méchant, je te le dis. C'est pas très gentil de dire ça. Mais... Après, en vrai, t'es un méchant parce que tu te défends pas en fait. Ouais, mais le loup-garou c'est un gentil, il m'a sauvé la vie sans faire exprès. En vrai, les gars, le garou c'est un gentil pour le coup. Bah ouais, là c'est un gentil en vrai, t'as fait ton rôle de gentil à qui. Sache que t'as gagné avec nous pour moi dans le loup-garou. Il est juste de la chatte, n'importe quoi. T'as gagné. Ok, maintenant c'est Gotha ou Magla. Adieu. En vrai, c'est rien qui me tue, c'est débile s'il me tue. Je sais rien. Elle est trop bien la game. Ah, elle est incroyable celle-là. Parce que l'assassin va win. Ah, l'assassin il est bien, putain. Il y a un chasseur encore, hein, les gars, il y a une bombe atomique. Oui, en fait, le problème, c'est le chasseur contre l'assassin. Parce que le chasseur, il. Ouais, il se retourne au dernier moment contre toi et t'es mort. Ouais. Les gars, je peux vous assurer que le village a gagné à 100%. J'espère. Bah oui. Sauf si tu meurs. Un Kamel. Oh, ils ont fait le mauvais choix. Kamel, quel mauvais choix. Kamel, est-ce que tu peux m'écouter comme la dernière fois, s'il te plaît? Vraiment. Kamel. Fais-moi confiance. Kamel, te fais pas avoir. Kamel, Kamel, si depuis. Kamel, t'es chasseur, Magla. Fais-moi confiance, te laisse pas avoir par Gotha qui ferme sa gueule depuis le début de la game. C'est obvious, je suis chasseur en fait. Bah oui. Ça peut être historique. Eh, les dévots là, allô? Non mais c'est Kamel, j'étais le premier. J'étais le premier. Qui est-ce qui a voté à qui tout à l'heure? C'est moi, c'est pareil. Écoute-moi. J'étais le premier à innocenter Dwag. Ah mais c'est parce qu'il a des voix qu'il était sorcière, tout le monde aurait pu. Non, il a des voix après, Mais il a des voix la nuit. J'ai été le premier à innocenter. Oui, non mais la nuit, il a fait comprendre qu'il était sorcière parce qu'il me faisait en mode est-ce que c'est vraiment Mika ou pas en rigolant. Donc moi j'ai compris. Et bizarrement Mika est mort direct quoi. Ouais. Kamel, si jamais je te mens sur cette game, t'as le droit de plus jamais me croire sur aucune game de League. Non, madame, vous n'avez pas le droit. Vous faites tout le temps cette technique, j'ai le droit aussi. Vous n'avez pas le droit, mademoiselle. Fais-moi confiance, Kamel. Kamel, t'as une responsabilité. Elle est historique cette game. Fais-moi confiance. Kamel va te laisser tout à l'heure, Gotha, il parle pas. Il vient juste de se réveiller. Vraiment, il parle pas depuis tout à l'heure. Je t'ai dit, je vais dire. En vrai, si tu te rappelles de la game, c'est méga obvious. Après, là, je peux rien dire de plus, gros. Vraiment, non, mais tu dis ça à chaque fois. Mon dieu. Ah non, justement, je dis pas ça à chaque fois, justement. Kamel, t'es un joker. La sincérité de Corentin. Kamel. Oui, la sincérité. Les morts, on aide pas les morts, hein. On fait que de. Juste, tu Kamel, vois. Tout à l'heure, je t'ai dit. On aide pas. Je vais pas aider. J'ai voté direct. Ah, t'es mort. Je te dis juste, Kamel. Kamel, vas-tu prendre des volets? Si j'avais été assassin. Si j'avais été assassin, cette game se serait pas passée comme ça. Kameto, quand on la trotteuse dans sa tête. Mais Magla, Magla, t'as fait des votes débiles, c'est obvious. J'ai voté à qui? Je l'ai dit. La game était frimée. Allô? La game était frimée pour toi. Lequel des deux personnages est en train de mentir? On a d'un côté un. T'essayes de retourner le cerveau pour dire que j'ai fait des votes débiles. On a d'un côté une Magla surexcitée qui est dans tous ses états. Tu peux pas retourner le cerveau à Kamel. Gotha m'a prouvé qu'il était. Voyante en innocentant toi. Ok, Gotha, t'as très bien joué. Bravo, mais on a perdu si Kamel fait ça. Magla, toi, t'as voté à qui? C'est vrai. Oui, j'ai voté à qui? Et je l'ai fait à chaque fois. À chaque fois, je l'ai laissé dessus. Ton but,
Ton but, 30 secondes. Kamel, reste jusqu'au maire encore, tu peux laisser le gars. Kamel, fais-moi confiance. Je ne donnerai pas autant. Kamel, je suis le seul à savoir jouer sans dévo. C'est historique. C'est historique, en fait, c'est vraiment historique. C'est incroyable. C'est vrai, Kamel, c'est juste que je suis pas débile. Parce que si jamais j'avais des assassin, dévots, tu Kamel, déjà, en assassin, tu serais mort depuis le début. Je vais pas te dire. Mec, je peux pas dire. Oh, l'attention, elle est palpable. Ok, ok. 10 secondes, messieurs. Attends, y'a le maire. Tais-toi, y'a le maire. Laisse-le. Voilà. Les morts, vous n'avez plus le droit de parler. Ça peut être historique. Les morts on parle plus. Toi aussi t'es mort. Reposer, c'est que Gotha m'a dit que Dwag était safe. Mec, tu as fait un peu de faire. Et toi, Gotha est tellement calme alors que toi. J'ai entendu un mot. Mais parce que tu fais une erreur et ça me stresse. Mais j'ai pas fait d'erreur, j'ai voté personne. Donc tu vas mourir à dire que j'ai fait des erreurs. T'as abusé. J'étais sûr que c'est Coco, putain. C'était sûr en fait. 7 de 2, Kamel. Ouais, mais comme c'est le chasseur, l'assassin il gagne pas. Il a pas gagné parce que regarde. Égalité. Dommage, Gotha. Pensez qu'il y a égalité. Si vous voulez, on se serre. T'as pas gagné, c'est égalité. Je ne serai jamais autant prenez pour défendre. Moi, je me suis donné. Non, elle s'est donnée Kameto et t'as rien pris. Elle a tout donné. Franchement, Kameto, je disais exprès aux morts de pas parler parce que je savais que Locke, il savait que Magla était innocente. Je savais que Mika aussi, il savait que c'était Coco. Donc j'ai dit à tout le monde, fermez bien vos gueules parce que c'était pour nous, les connaissances, c'était grave obus. En vrai, ça se voyait. Je réagis jamais comme ça quand je suis. C'était sûr. Un truc qui m'a baisé, c'est que Gotha, il m'a dit Dwag était sorti. Ouais, mais en fait, c'est comme toi. Mais c'était, j'ai voté à qui? C'est pareil. J'ai voté à qui à chaque fois? J'essayais de te faire comprendre. En fait, tu sais là où t'aurais pu savoir, Kamel? C'est des petits blancs que Coco laissait quand t'étais en train de parler. Ça se voyait qu'il était avec son petit sourire perfide. Messieurs, dames, s'il vous plaît, on peut applaudir le premier gagnant en tant qu'assassin. Il a gagné, arrêtez de rager. C'est un bug, il a gagné, arrêtez de rager. Il a pas gagné. Faut buter le chasseur, c'est trop dur, sinon c'est trop facile. Non, en fait, c'est pour ça que c'est trop dur. Pensez ce que vous voulez, si vous voulez, il y a égalité en tout cas. Par contre, ça reste la meilleure perf en assassin, ça c'est clair et net. D'accord, ok. Alors, Jean, dans l'oreillette, Louito, est-ce que le record est validé ou pas? Ou il y a vraiment égalité? Louito, s'il vous plaît, veuillez me valider ou non. Il y avait un 1v1 où on savait les rôles de chacun, où il a dû choisir de savoir qui était. Dans l'oreillette, c'est formel. Les développeurs du jeu ont vraiment scruté les règles du loup-garou et malheureusement, si le dernier méchant se trouve face au chasseur, il est mort. Parce que le chasseur, en gros, quand il tue quelqu'un, ça revient à comme si les deux étaient morts en même temps, donc à égalité. En gros, là, nous, on jouait soit la victoire, soit l'égalité. Mais ça reste la plus belle prestation en tant qu'assassin qu'on ait vue pour le moment et qui va l'être pendant, à mon avis, longtemps. Je sais pas, relance une game et tu vas voir. Moi, je savais que c'était Gotha, je voulais juste lui donner un faux espoir, c'est tout. Oui, bien sûr. Magla, c'est le premier truc qu'il a dit. Non, en vrai, il a gagné. C'est le premier truc qu'a dit Kamel, si vous voulez. Non, en vrai, il a gagné. C'est ce qu'il a dit. Retourner le cerveau. Magla, c'était beau, ça a tout donné. Moi, je sais, après cette game. J'essayerai même plus autant en tant que. Non, c'était beau, Magla. C'était beau, c'est mort, j'ai compris. C'était beau, Magla. Il n'y en a qu'un seul qui repartit avec le sourire, c'est le gagnant, c'est tout. Il y a égalité, il n'y a pas de gagnant. Personne n'avait le sourire, frérot. Arrête! On peut relancer une game, Louito, sans perdre. Il y a égalité ou il n'y en a qu'un seul qui a le sourire? En plus, Magla, elle puait la sincérité, genre vraiment. Ah ouais! D'où la performance incroyable! Ouais, non, c'est pour ça que je t'avoue, t'es plus mignon. C'est incroyable que ce soit Kamel le seul qui s'est fait retourner alors qu'on était tous en mode c'est quoi. Par contre, moi j'avais vraiment peur. J'étais persuadé que Kamel avait capté que Gotha, c'était lui. J'étais persuadé que Kamel avait capté que c'était Gotha. En gros, je suis parti sur un gros mytho. Genre, j'ai jamais dit que Dwag était innocent. Je suis parti sur ça, j'ai tout donné sur ça. T'as été bon, en gros, ça l'a retourné. Cette game, elle était quand même incroyable. Franchement, putain. D'ailleurs, Coco, la fou, les loups t'ont voté, c'était pas le grand méchant loup, c'était bien moi qui t'avais voté en premier, je vais lui retourner le cerveau aussi. Je suis obligé de te croire en fait, je vais pas te dire non, je pense que c'est toi qui as voté. Oh putain, elle m'a fait transpirer la game. Ah ouais, là je suis émoustillé, je sais plus quoi faire. Mon cœur il est monté à 120 là. Avec le suspense et tout, tu peux limite laisser le choix au public de savoir s'il a gagné ou pas. Super bien joué.
Ça aurait été super bien joué de Magla qui aurait enchaîné la direct pour faire croire que c'était la voyante. Là, ça aurait été méga beau. Hein. Bah, toujours, elle était, enfin, elle était vraiment voyante. Ouais, voilà. Ouais, mais imagine, si elle était mais c'était dur de pas dévot, surtout. Bah, elle peut pas dévot, en fait. Du coup, elle est coincée. Si, 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 elle a totalement. Si, t'as dévot quand même. Bah, pas vraiment, non. J'ai essayé de faire comprendre, ouais, j'ai voté pour Aki et tout. J'ai pas dévot. Je crois pas qu'elle ait dévot. Bon, en tout cas, je savais que t'étais voyante, en tout cas. Non, mais t'inquiète, la prochaine fois, t'inquiète. T'es dans mon viseur. Ah là là. Il a retourné le cerveau de Kamel, il l'a piétiné. Je pense que c'est le seul cerveau qui pouvait retourner ici autour de cette table. Ah, il a fait un petit aller-retour dans la poêle. C'est pour ça que je dis ça. Mais non, mais les gars, j'ai rien retourné du tout. Il y avait égalité, rappelez-vous. Enfin, c'est vrai que t'as pas gagné exprès, quoi. Ah, t'as quand même bien retourné le cerveau. Bon, moi, je dis, tu finis la vidéo sur le suspense et tu laisses le choix aux commentaires. Est-ce qu'il a gagné ou pas? Parce que ça vous qu'on est. Non, les règles, c'est des pauses bleues. Non, non, mais les règles sont claires. Mec, c'est pour l'interactivité, gros. Tu fais 2000 commentaires mini. Les règles sont claires. Il y a pas de Minecraft. Post bleu, Instagram, YouTube, on y va. Je vous ai. Ah bah désolé, Mika. Hein. Ah, oh, je crois que je passe une bonne soirée, moi, dis donc. T'arrêtes pas de crever, non? Déjà, il a un rôle de merde. J'ai un robot de Squeezie sur notre mère. Pourquoi ma glace a dit désolé? La double déception. Tu reçois merci le rôle. Locke. Merci Locke, tu régales. Merci Féo. Mais de rien, Squeezie, mais de rien. Je m'en souviendrai, mon frère. T'as été libéré. Hein. Sérieux, je suis corbeau, mourir T1, c'est une bénédiction. C'est vrai, j'avoue. En fait, j'avoue qu'à la place du corbeau, il faudrait remettre l'ange et là, tout le monde aurait un rôle. Gotha, vote pour moi, yo. J'avoue que le corbeau, c'est nul. Ouais. Il y a moyen que ça se termine vite. Hein. Ouais, vous voulez switcher le corbeau ou vous voulez mettre autre chose à la place du corbeau? Ouais, ça peut être cool d'avoir l'ange, j'avoue. Et si on mettait Cupidon? Ça sert pas à grand chose, quoi. L'ange non, ou Cupidon les votes en plus pour l'assassin. Cupidon, bah, en fait, le problème de Cupidon, c'est qu'en fait, genre, si l'assassin touche un couple, en fait, t'as genre. Ouais. Ah oui, ok, mettons l'ange. On va mettre l'ange. Corbeau, c'est vachement bien. Contre l'assassin, c'est vachement bien d'avoir deux votes en plus, les gars. C'est vrai. Non, l'enculé de Corbeau, il l'a mis sur Corentin. En vrai, c'est vrai, en vrai, c'est bien. Je viens de comprendre. Bah alors, Mika, t'as chié sur Gotha avant de partir. Bon, les gars, on doit voter pour quelqu'un avec plus de deux votes, s'il vous plaît. Je me prends un focus de Mickaël toute la soirée, ça commence à devenir assez chiant. On rappelle. Je peux pas dire, hein, c'est pas moi. On rappelle. Bah si, parce que c'est aléatoire. Donc, si, c'est pas moi. J'ai cliqué aléatoirement, désolé mec. Je sais bien que cette dernière game, entre guillemets, égalité, a gêné certaines personnes, mais là je suis totalement innocent. Et ah, sur la game avec égalité, là, l'assassin il était ouf. Tu fais quoi, Squeezie? Tu veux parler avec les loups là? Non, je regardais l'historique et j'ai mis un T sans faire exprès. Ouais. Pourquoi tu veux regarder l'historique au début de game? Pour regarder l'ordre des votes et je voulais voir un truc avec. Bref. Bon, vas-y, maintenant je suis louche, butez-moi. Allez, vas-y, c'est parti. Mais attends, je suis en train de capter, mais c'est l'assassin qui m'a buté, enculé. Kameto. C'est ça, je checkais ça. En vrai, je sais pas, mais j'ai la haine, donc je vais... moi je vote personne. Quoi? Je laisse les deux votes sur Gotha, ça me marche. C'est pas ma guerre, démerdez-vous. En vrai, je te laisserai comme ça aussi. Hein. Moi, la situation me va parfaitement. Frère, mais là, j'avoue, c'est chacun pour soi. C'est vrai. C'est vrai qu'on peut abuser du pouvoir du corbeau. Non, bon, on a rien fait. Est-ce que je fais une douague ou je dévot? Non, je pense qu'actuellement, c'est pas Gotha en vrai. Non, c'est interdit de dévot. Merci bien. Mais de quoi interdit de dévot? La game, ça a été dur, la game d'avance, parce que t'as dévot que t'étais sorcière, gros. Ouais, je l'ai fait comprendre, j'avoue. Eh, y'a plus des beaux qui tiennent, les gars. On peut écouter le maire, s'il vous plaît. Bon. C'est assez un début de game assez compliqué. J'ai envie de croire en la sincérité de Gotha, pour être honnête avec vous. T'as vu, j'essaie vraiment au max de pas crier histoire de. J'ai envie. Non, mais la game d'avant, t'as pas crié et t'étais le putain d'assassin qui a win. Mais j'ai envie de croire en ta sincérité ce round-ci. Parce que je pense que tu adopterais pas deux games de suite la même strat si t'avais un rôle similaire. Si t'étais genre loup-garou ou assassin, j'entends. Donc je crois en ta sincérité. Du coup, ça me fait chier qu'il y ait deux votes au-dessus de toi. Donc on va devoir mettre trois votes ailleurs, quoi. Je suis d'accord avec cette logique-là, monsieur le maire. T'en penses quoi, Locke? T'en penses quoi, tiens? Il reste 20 secondes, hein, c'est pas pour nous presser, mais. Est-ce qu'on pourrait mettre des votes quand même sur quelqu'un histoire de. Au cas où. Juste bien switcher sur Dwagby, hein. Non, mais arrêtez de mettre moi pour choix par défaut. Non, mais Squeezie, t'as dit que t'avais changé. Ah, maintenant, il doit choisir.
Après, vas-y, remettez deux votes sur quelqu'un d'autre, au moins trois personnes. Kamel, Lucas, mettez Kamel. Mais Kamel. Pourquoi Kamel, tu les trois dans le choix, gros. Ah, j'ai même pas le temps, voilà. Merci. Oh, bâtard. Nice. Vous voulez voter pour lui, non? Tu voulais voter pour lui à la base? J'ai cliqué et il était déjà mort, les gars. Bah, en fait, non, en gros, on avait égalité avec Kameto, Gota et moi, et en fait, t'as cliqué pour l'assassiner. Ah mais ouais? Dans tous les cas, ça aurait fait la même chose. Ah, bah, je suis un putain de génie, mon pote! Ouais, je. Non, je sais, gros! Putain de c'est le meilleur. Putain de génie! Putain, j'ai eu peur, je crois que j'allais y passer, quoi. Une petite touche entrée. Ouais, c'est moi, je regardais les logs. Mais là, Squeezie, elle stun parce qu'il voulait juste qu'il y ait un draw en fait. Il voulait pas éliminer son compère. Non, non, en fait, j'allais voter pour lui en suivant ton call et au final, je l'ai buté parce qu'il y avait égalité, c'est same shit quoi. Ouais, mais est-ce que tu voulais pas faire égalité et ensuite faire oh là là, bon, allez, je vote pour Dwagby et comme ça, tu le sauves. Non, moi, franchement, je suivais hein. Tes calls. Franchement, moi je suivais tes calls, Coco. Pour de vrai, je suivais tes calls. Tu voulais buter Kameto ou c'était le hasard? Tu voulais qu'il y ait un draw, non, en fait, toi? Il voulait qu'il y ait un draw entre nous trois, je crois. Ah, bon, bah. Non, du tout. Kameto a commencé le round en mode moi j'ai pas de. Attends. Squeezie, putain, t'abuses. Ok. Ah, je suis content, on a trouvé les deux encore une fois. Un petit coup de dans le dos. Donc, Lucas, on est d'accord. Lucas, j'avais raison du coup. Attendez les gars, t'avais grave raison. Je me sentais super safe et là je vois que je suis mort après le drone. Je me suis dit attends. Okay, Kameto. Gota, frérot. Gota, t'es safe. Hein. Je sais que t'as pas avec lui. J'ai fait un bad timing de fou. Non mais ça s'est joué à une minute. Bah vraiment oui. Magla, tu votes contre toi, tu votes contre qui? Et en fait, je me suis dit que si j'avais pas voté contre toi, dans tous les cas, j'étais foutu, tu vois ce que je veux dire? Donc je voulais voter qu'il y ait un draw et ensuite aller sur quelqu'un d'autre. Mais en fait, il y avait déjà le draw. Ouais, non mais j'avais pas vu. Attends. Après c'était pour une seconde. Attends. Et Dog, si là on vote contre toi et que tu meurs, du coup tu cibles qui avec ton tir là? Locklear. Sauf que pourquoi, Gota. Hein. Gota. C'est random. Bravo à Gota pour la victoire en assassin. Il a pas d'arme, il a qu'un poignard. Bravo ah ouais pour la vraie victoire de Gota. J'aurais bien vérifié. Hein. Cette fois, la vraie de vraie. Gota, t'es pas en train de nous la remettre? Non, je pense pas qu'il peut être deux fois d'affilée. Tu me voudrais tellement le seum si tu me remettais. Magla, t'inquiète, il y a le chasseur en vie. Ah, je sais, hein. Tu parles de qui là? Je sais qu'il y a le chasseur. Voilà. Mais attends, comment tu veux que je le sache? Moi je vote Locklear et si les chasseurs ont pile le but, c'est une vraie, hein. What the fuck? Moi je pense on vote contre toi et en fait, attends, en fait game suivante quoi. Game suivante. Mais je dis moi je suis Locklear, en fait, hein, il y aura pas de Magla, je sais pas quoi, je tuerai Locklear. Hein, ok, c'est nickel, il est voyant. Game suivante, GG bon, Dwag. Bah ouais. GG. C'est bien essayé, t'aurais dû mourir plus tôt quand même. 10 secondes hein, au cas où, Doc, si jamais. Moi j'ai rien à ajouter, hein, je vais fumer le clair très vite. Tu vas rien fumer et tu t'enfonces. Et commence à viser du coup. Ok, d'accord, vous bien. Bien joué. Eh, j'ai première game voyante, je dis pas. Eh, Kamel, je te présente encore toutes mes excuses. Mec, y'a pas de problème. Mais ça m'a dit que tu m'as dit que je vais te fumer, mec. Ouais, pardon. Faut que tu regardes, j'ai pas compris. Faut que tu regardes, faut regarder le replay de mon live. Mec, quand j'ai compris, j'ai tapé une barre. Je me suis dit, il doit avoir envie de me fumer. Mais même moi, ça me nique ma game. Parce qu'en gros, du coup, il n'y a plus le deuxième loup-garou. Mais toi, on s'en bat les couilles, pour le coup. Ouais, ouais. Je suis assassin, j'aurais pu faire un bail, tu vois. Ouais, mais tu mérites pas encore ce titre de assassin qui gagne une game. C'est vrai, ça aurait été un peu de l'escroquerie, je trouve. C'est vrai. Mais je pensais vraiment pas que t'étais loup-garou, hein. Je t'ai pas tué en mode je veux tuer un loup-garou, je voulais tuer un T'as assassin, hein. Assassin, ça change à jamais le jeu, je trouve. C'est vraiment genre. C'est vraiment bien le rôle, hein. C'est vraiment de la pression. Allez, nouvelle game, c'est parti. Mais par contre, et Kamel. Non, j'allais buter Dwag, quoi. J'allais buter Dwag. Si pas de trouver le loup-garou, gros, t'es cramé direct, hein. Non, mais là, je voulais me servir de la haine de la game d'avant en mode j'ai tu vois. Je suis deck, j'allais buter Dwag et c'était l'assassin, j'aurais eu votre confiance de fou. Ah ouais, là, je vais pas te mentir, c'était pas ouf. Non, t'avais pas ma confiance, Cousy, désolé. Ah, mais moi, okay. Kamel, le mot, il était loup, c'était sûr. T'avais pas ma confiance, en fait, je t'ai mis mère exprès parce que je voulais te buter.
Je voulais voir comment tu hésites à prendre des choix. Quand t'es loup-garou, tu hésites toujours à prendre des choix, mec. Tellement pas. Cramé. Tellement pas. Alors que quand tu sais que t'es safe, comme moi, mec, quand tu sais que t'es safe, tu parles beaucoup. Et quand tu sais pas, bah tu sais pas quoi dire. Mais trop pas, en plus j'avais parlé de ouf. En vrai, j'avais grave parlé, c'était, en plus c'était intéressant, j'avais dit. Ouais, tu savais pas qui buter. Bah non, je sais pas, j'ai pas envie de niquer un mec random. Bah ouais, la preuve, t'as cliqué sur Kameto. Non mais ouais, il a tué son mec. Mais j'ai pas fait exprès, je voulais qu'il y ait un gros. Bah oui, c'est ce que t'as fait. Si tu m'avais tué juste après en mode en ayant pris ton temps, ça aurait été incroyable. Contrôle tes pulsions, assassin, t'es pas obligé de tuer quelqu'un. Ouais, contrôle tes pulsions. Non, t'en as dit, t'es pas obligé de tuer quelqu'un, pourquoi tu cliques? Contrôle tes pulsions et bute-moi. Les pourcentages que je survive sont très faibles.